Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 40 d'Au coin du Blu-ray. Épisode 40, donc consacré à la lettre S, toujours, parce que je vous l'avais déjà évoqué, mais j'ai beaucoup, 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 trop de films dans la lettre S. Et donc, j'ai décidé de consacrer un épisode à un de mes films fétiches, d'une saga fétiche, que j'ai déjà évoqué il y a maintenant, si je ne me plante pas, 2 semaines en long et en large. Je m'étais tâté à rajouter cet épisode de Coin du Blu-ray la même semaine que la sortie du dernier volet avec son acteur principal. Je me suis dit que ça en ferait trop, donc du coup j'ai attendu un petit peu. Et aujourd'hui je vous parle de Skyfall de Sam Mendes, donc troisième film de la saga James Bond avec Daniel Craig. Ça a largement consacré la saga James Bond comme étant une saga beaucoup plus grand public que fermée, parce que même si la saga James Bond a toujours fait un carton, pour beaucoup de spectateurs, ça a souvent été considéré comme une saga assez élitiste. Et Skyfall, lorsqu'il est sorti, a non seulement prouvé que James Bond pouvait aller aux Oscars dans d'autres catégories que juste meilleure chanson, mais c'est surtout que c'est un film qui, je trouve, est un monument de maîtrise. Pas autant que les Casino Royale, mais pour beaucoup de gens, Skyfall est meilleur que Casino Royale. Pour moi, ce n'est pas le cas, mais quand même. L'histoire, comment vous la résumez simplement? Suite à une mission en Turquie qui s'est très mal passée, l'agent 007 est déclaré mort, a décidé d'aller s'enterrer quelque part parce qu'il n'a pas envie de revenir en service. Et lorsque M va commencer à être menacé par ce qui semble être un cyberterroriste, eh ben James Bond va faire son retour et whoop-dee-doo. Voilà, tout simplement. C'est le film au milieu. Donc de la partie interprétée par Daniel Craig du personnage de Ian Fleming, c'est un film qui clairement a marqué une grosse démarcation parce que si vous regardez toute la série de films qu'il y a eu autour de Daniel Craig, clairement Casino Royale s'est posé comme une espèce de transition parfaite entre ce que les producteurs voulaient amener de neuf et ce qui avait été fait précédemment au sein de la saga. Il y avait ce côté un peu à l'ancienne, notamment par le choix de ramener Martin Campbell qui avait réalisé GoldenEye, qui avait déjà été un moyen de faire revivre la saga avec voilà, ce premier volet porté par Pierce Brosnan qui, au milieu des années 90, a clairement redoré le blason de la saga. Il y avait cette envie de vouloir créer une histoire qui revienne aux sources, notamment en adaptant le premier roman de Ian Fleming autour de James Bond, Casino Royale, qui était la première mission de l'agent 007. Et clairement, juste après, vu que ça a cartonné, on a voulu renchaîner avec quelque chose qui soit un peu dans la même veine. Et clairement, Quantum of Solace, ça a été une grosse déception. Donc à partir de là, l'objectif était de reconquérir les gens qui avaient été convaincus par Casino Royale, tout en amenant un petit peu de créativité, un petit peu de nouveauté. Et bizarrement, le choix de Sam Mendes était surprenant parce que Sam Mendes, c'est pas forcément quelqu'un qui est très connu pour ses films d'action. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui est plutôt connu pour poser ses sujets et pour les raconter de manière très douce. Que ce soit American Beauty, que ce soit Les Noces Rebelles, que ce soit Away We Go. C'est un cinéaste qui a toujours aimé poser ses sujets. Et même si vous regardez Jarhead, qui est quand même un film très dynamique, ça reste un film qui, en termes de cadrage, est très posé. Le choix semblait surprenant, mais qu'est-ce qui fonctionne bien? Et ce qui est assez saisissant, c'est que Sam Mendes, il fait le choix dès les premières minutes de nous montrer qu'il est capable de filmer de l'action et de mettre ça en scène de manière cohérente. Il est aidé bien évidemment par la photographie folle de Roger Deakins, par le choix assez couillu de confier les commandes de la bande originale à Thomas Newman, qui n'avait jamais bossé sur les James Bond, mais qui avait bossé avec lui depuis pas mal de longs métrages et qui pose une bande-son qui est juste parfaite. Il y a cette ambiance, il y a cette histoire, il y a tout en fait qui fait la force et la forme de cette œuvre et que on n'attendait pas forcément. Et vraiment, c'est ça que je retiens de ce long métrage. Skyfall a réussi à amener tout un paquet d'auteurs, de créateurs, de concepteurs et d'artisans qui ont su se mettre au service d'un épisode qui se voulait pas comme les autres au sein de la saga James Bond. C'est un épisode qui se voulait très artistique, tout en étant très narratif, tout en étant très dense. C'est un film qui voulait à la fois capter l'essence de la saga James Bond, tout en faisant en sorte qu'elle soit restreinte sur l'essentiel pour donner lieu à quelque chose de plus personnel. Et si je devais retenir un truc en particulier de cet épisode, c'est que c'est l'épisode le plus humain de la saga James Bond, avec peut-être au service secret de Sa Majesté. C'est peut-être pour ça qu'il a autant plu Skyfall. Parce que au service secret de Sa Majesté, ça reste un des James Bond qui est les moins connus de la saga, parce que c'est le seul porté par George Lazenby. Mais c'est l'un des volets où il y a le plus d'intimité, où il y a le plus de connexion avec le personnage principal, où il y a le plus de force et de forme narrative.
Et Skyfall renoue avec cette optique-là, renoue avec cette intimité et cette envie de vouloir faire du personnage de James Bond quelqu'un d'humain avant d'être un agent secret. Et c'est une très bonne idée. Très bonne idée qui disparaîtra immédiatement avec Spectre, qui va vouloir absolument revenir au côté très formaté du personnage pour quasiment renier trois épisodes qui ont voulu amener de l'intimité dans une saga où elle en avait clairement besoin. Et c'est un petit peu dommage pour moi. À un moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu Mourir peut attendre, donc je ne peux pas vous dire si on va réussir à conclure sur une note plus humaine ou si on s'est complètement perdu dedans. Mais en tout cas, Skyfall avait réussi à capter ça et moi, c'est ce que j'aimais beaucoup. Et mine de rien, derrière, c'est bon de rappeler que Judi Dench est parfaite et vraiment ici, elle interprète la meilleure mise en forme, mise en perspective du personnage de M. C'est extrêmement bien foutu. Javier Bardem est fantastique dans le rôle du méchant. Je trouve qu'il a une manière d'interpréter le personnage qui est assez folle et qui rend vraiment bien. Et Daniel Craig, bon bah Daniel Craig, il avait plus rien à prouver. Daniel Craig est clairement l'un des meilleurs James Bond de la saga. Il a quelque chose, quoi. Il a du caractère, il a un physique, il a une présence à l'écran qui est assez dingue et qui fonctionne du feu de Dieu ici. Enfin, Skyfall, ça reste vraiment un des épisodes les plus satisfaisants de la saga James Bond. Réellement, on a la sensation de voir un film qui passe par tellement de stades et qui va dans tellement de directions qu'à aucun moment on a l'impression qu'il se limite simplement à être un James Bond. C'est toujours un petit peu plus et c'est ça que j'adore dans son métrage. En termes de bonus, il n'y a pas forcément grand-chose à regarder là-dessus. Il y a quelques making-of, il y a quelques entretiens, il y a des petites images de l'avant-première. Enfin, il y a ce qu'il faut pour faire le taf, mais c'est souvent un peu ce qui est décevant avec la saga James Bond, c'est que même s'il y a quand même pas mal de bonus, la plupart du temps, c'est des bonus qui font très formatés et qui sont très sommaires, et c'est quasiment les mêmes bonus qu'on peut trouver sur Internet. Donc c'est un poil décevant, même s'ils se vantent d'avoir à chaque fois plus d'une heure de bonus avec la saga James Bond, comme vous ne l'avez jamais vu. Au final, si on a un peu déjà vu. Mais bon, c'est pas trop trop grave, ça fait quand même pas mal de bonus à voir. Mais en tout cas, ouais, si vous avez jamais vu Skyfall, ce sur quoi j'ai un énorme doute, mais sait-on jamais, regardez Skyfall de Sam Mendes. Déjà, c'est une masterclass de Sam Mendes en termes de mise en scène. Et Roger Deakins offre un travail de photographie absolument dingue. Et en plus, c'est l'une des meilleures interprétations du personnage par Daniel Craig, avec quand même Casino Royale, qui pour moi reste le meilleur volet de la saga sous Daniel Craig. Mais ce n'est que mon avis. Ainsi s'achève cet épisode 40 d'Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, tiens, quel est votre volet préféré de la saga James Bond, tout film confondu, mais aussi le meilleur Daniel Craig. Est-ce que c'est Skyfall ou est-ce que c'est Casino Royale? Je pense qu'il y aura débat sur ces deux films parce que j'ai un doute sur le fait qu'il y ait quelqu'un qui me dise « Quantum of Solace, c'était quand même pas mal, hein, et puis la séquence d'intro, c'est vachement bien filmé. » Non. Non. Pas bien filmé, la séquence d'intro. Pas bien du tout. Bref, et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.